Je croyais avoir trouvé l'ordinateur parfait, jusqu'à ce que je trouve celui-ci. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation physique de ce Compaq Desk Pro EN. Donc, cet ordinateur provient du tout début des années 2000. Et c'est quand même le gros modèle. Celui que je vous avais montré était petit. Celui-ci, on est un niveau au-dessus. Donc, nous avons ici sur la façade une entrée d'air, comme sur l'autre, ainsi qu'une grande entrée d'air en bas ici. Le bouton d'alimentation avec encore les deux diodes, le bouton d'allumage et le disque dur. Ici, nous avons deux baies pour les lecteurs CD, des objets qui utilisent les baies 5 pouces et quart, et un lecteur de disquette 3 pouces et demi, ainsi que les deux colonnes, donc celui-ci qui dit que cet ordinateur a été fait pour Windows 2098 et qu'il y a un Pentium 3. Donc, cette machine est équipée de base avec Windows 98. Il s'agit donc d'un modèle à la base avec 128 MO de RAM, un processeur à 866 MHz et un disque dur de 20 GB. Donc, il a été modifié. Je vais faire un autre tour. J'ai ici une seconde clé de Windows 98 seconde édition. C'est parfait, on n'en a jamais trop. Cette machine est quand même très lourde. Ici, à l'arrière, on a le bloc d'alimentation, deux ports USB 1.1, deux ports connecteurs PS2 pour clavier souris, le port parallèle, port VGA, deux ports série, un port Ethernet, les connecteurs pour la carte son, un autre connecteur VGA, puisque j'ai rajouté une carte à l'intérieur, et je vous expliquerai un peu pourquoi plus tard. Et ici, on peut voir ici une carte avec 4 ports USB 2.0. Donc, ce que j'aime bien avec cette machine, c'est que il y a beaucoup de petits trucs qui font en sorte que je la trouve beaucoup mieux que le Compaq ou même le Optiplex GX110. Donc, c'était mes deux machines préférées jusqu'à présent, bon, du moins mes deux machines préférées utilisant Pentium 3. Et ce Compaq, franchement, dépasse, du moins comble, tous les besoins que j'aurais pu avoir avec ces deux machines-là. Donc, je vais commencer par l'ouvrir. Ici, bon, pour l'ouvrir, c'est très simple. On dévisse la vis, ici à l'arrière. Vis qui, d'ailleurs, est maintenue en place. On ne peut pas la perdre, ce qui est bien. Et on a deux boutons de chaque côté qu'on pousse. Et ça nous permet de lever le couvercle et d'accéder à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est plutôt une carte ATX, donc c'est moins propriétaire que dans l'autre Compaq que j'avais, ce qui est bien, puisque et le Compaq et le Dell utilisent des trucs propriétaires, ce qui à long terme pourrait nuire. Donc voilà, c'est un des premiers arguments qui a fait en sorte que j'aimais bien. Ici, on a le même principe de baies qui sont sur une peinture, donc on peut facilement retirer les disques. Vous pouvez voir ici le lecteur de disquette. L'autre truc qui fait que j'adore aussi, c'est qu'on peut mettre deux disques durs 3 pouces et demi, mais ça ne requiert aucune vis. Par exemple, ici, je n'ai qu'à lever ce levier et je peux retirer le disque dur. Et c'est la même chose pour l'autre côté. Ici, on peut mettre un autre disque dur là. Ici, on a le petit haut-parleur qui permet d'avoir du son sans avoir les haut-parleurs, même si, bon, moi, j'ai autre chose pour avoir le son. Nous sommes maintenant à la carte à main. Juste avant, je viens de me rappeler. Ici, bon, le bloc d'alimentation, on a du 200 watts. Bon, c'est assez bas.
Mais pour ce que je vais, pour ce qu'il y a de branché dans l'ordinateur, ça doit pas être très grave. Donc voilà, donc nous passons maintenant à la carte mère. Donc comme je disais, cette carte mère semble être une carte ATX tout à fait normale, ce qui est bien. Donc je peux remplacer la carte par n'importe quelle autre si jamais j'ai un problème. D'ailleurs, j'ai une autre carte ATX de secours, pas comme pack, mais quand même c'est une carte ATX pour Pentium 3. Donc le Pentium à l'intérieur est un Pentium de 866 MHz. Donc, il y a dessus le mauvais, mais mauvais système de refroidissement. Je l'ai laissé là puisque, bon, j'ai pas eu à l'enlever en fait. Donc, je l'ai laissé là. Puis, j'ai vérifié, le processeur ne surchauffe pas. Donc, il est. Le maximum que j'ai vu, je crois que c'était 55 degrés. En faisant fonctionner un gros programme pour tester la puissance d'un processeur, justement. Si on a tous les condensateurs, franchement, il n'y a aucun qui est bombé, donc ça, je suis content. J'ai rajouté de la mémoire, puisque, bon, à la base, la machine, quand je l'ai eue, avait 256 MO. Elle avait été augmentée de la base de 628, donc je lui ai rajouté deux barrettes de 128 MO. Et on a maintenant un ordinateur à 512 mégaoctets de mémoire vive. Ici, on a le chipset qui est un Intel 815. Donc, c'est un bon chipset, je l'aime bien. L'autre truc qui a fait en sorte que que cet ordinateur-là est mieux que les deux que je vous parle, c'est qu'il a un port AGP. Un port AGP 4X, je crois. Donc c'est merveilleux, mon autre compact et mon Dell OptiPlex n'avaient pas de port AGP, ce qui me limitait à la mauvaise carte graphique Intel 750, je crois, qui est intégrée. Donc voilà, si j'ai installé une TNT2 Pro, je crois, de 16 MO de RAM. Cette carte, franchement, va tellement mieux. Et puis, pour jouer à des jeux de Windows 95, 98 jusqu'à environ 2001, cette carte-là est vraiment très bonne. Et une autre carte que j'avais trouvée, je ne sais pas si je l'avais montrée dans ma vidéo des présentations du Scanidé, je l'ai installée dans cette machine. Donc j'ai 4 ports USB à l'arrière et un port USB à l'intérieur. Donc franchement, ça, j'ai été content. Vous pouvez voir que j'y ai mis une clé USB. Cette clé reste toujours à l'intérieur puisque c'est sur celle-ci que je fais les sauvegardes de mon disque dur. Donc bon, le disque dur a 40 Go et la clé n'en a que 8, mais je ne fais que sauvegarder les fichiers de Windows à l'intérieur. Donc ces fichiers-là sont quand même pas trop souvent mis à jour, donc 8 Go sera amplement plus que suffisant. J'ai rajouté des petits morceaux de caoutchouc sur les connecteurs restants. Donc ça ne vient pas de chez Compaq, mais de Dell. Mais puisque bon, j'ai pu avoir sous la patte plusieurs blocs d'alimentation Dell de brisés, défectueux, qui allaient être jetés, puisque je n'en ai pas de besoin, j'ai décidé d'au moins récupérer les morceaux de caoutchouc. Donc j'ai quand même une bonne petite réserve de morceaux de caoutchouc. La pile pour le CMOS est l'original. Le disque dur a été changé comme je vous ai dit. Il y avait un 20 Go à la base, il a été changé pour un 40. Cet ordinateur-là, j'ai laissé le disque dur de 40 Go quand je l'ai eu. Puisque, bon, cet ordinateur-là, je vais l'utiliser pour faire du jeu de 2001 et moins. Et, bon, je vais risque de mettre beaucoup de choses dessus, pas seulement des jeux, mais bon, probablement de la musique, puis aussi je vais faire une copie de toutes mes disquettes et de tous mes CD dans ce disque dur. Avant, je le faisais dans le OptiPlex GX110, mais pour une raison qui m'échappe, NT4.0 n'a plus détecté le disque dur SCSI et il y a eu des problèmes. Bon, par chance, j'avais une copie de tout ça, donc c'est pas bien grave qu'il ait lâché, mais je me suis dit que finalement cet ordinateur-là ne me servirait pas d'ordinateur de sauvegarde, donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour sauvegarder mes CD et mes disquettes. Puisque bon, cet ordinateur-là a un graveur et un lecteur de disquettes, donc je vais pouvoir graver
et écrire des disquettes si jamais besoin est. Et avec tous les ports USB que j'ai sur cette machine, je ne risque pas d'avoir de problème là non plus. Donc voilà, je crois que bon, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait. Les condensateurs, si j'ai bien compris, ce sont ceux de la compagnie Nippon Kimikun, je crois, si je me souviens bien. Je sais que le logo qui est à l'intérieur vient d'une pas à l'intérieur, mais le logo qui est dessus vient d'une compagnie assez réputée. Donc voilà, je ne crois pas que j'aurai des problèmes de condensateurs aussi. On retrouve toujours le système de barreur par un solénoïde qu'on avait sur l'autre compact. Et ici, on a le connecteur assez spécial qu'utilisait Compaq pour le panneau avant. Donc voilà. Et on a ici le bouton pour remettre le BIOS à zéro, et je crois que je viens d'appuyer dessus. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une disquette. On peut faire une disquette pour sauvegarder toutes les informations du BIOS, donc c'est pas bien grave. Je n'aurai qu'à charger ces informations-là. Donc, voilà. Je crois qu'on a pas mal fait le tour. Je vais préciser que l'on a à notre disposition 5 ports PCI, aucun port ISA. Mais bon, c'est pas bien grave, puisque mes cartes ISA sont principalement dans mes vieux ordinateurs. Donc, ces deux-là sont dans mes Baby AT. J'ai dans celle-ci mes deux cartes son ISA. Et la carte Internet ISA dans celui-ci. Et je crois une autre carte que j'ai oubliée, un modem, je crois, dans celui-là. Donc bon, j'ai de toute façon, j'ai pas beaucoup de périphériques avec port ISA, donc c'est pas bien grave. Mais si jamais je dois utiliser un port ISA sur Windows 98, j'ai toujours le Sierra ici. Donc voilà, je crois que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire au niveau physique sur cette machine. Franchement, ces machines compactes là sont vraiment reconnues pour leur fiabilité. C'est à l'époque où Compaq faisait encore de bons ordinateurs pour un prix raisonnable. J'ai oublié de préciser que cette machine me cause parfois quelques problèmes avec la carte AGP, puisque comme vous pouvez peut-être le lire, il est écrit pour montage, démontage, donc cet ordinateur resservi comme ordinateur d'enseignement pour montrer comment ouvrir et démonter un ordinateur. Donc la carte AGP a un peu de jeu, et si je la bouge un peu trop, ça peut bloquer Windows 98 et empêcher l'ordinateur de redémarrer. Je dois ensuite bouger la carte ou faire autre chose pour faire redémarrer l'ordinateur. Donc bon, voilà. Ici, j'ai oublié de dire, mais on a un graveur CD-ROM Matsushita de 2002. Donc ce lecteur va très bien et je l'adore, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette machine. Et voilà, j'ai terminé pour la partie physique de la machine. La prochaine vidéo sur cet ordinateur sera sur la partie logicielle. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur ce Compaq Desk Pro EN, et à la prochaine.